Il porte le nom de 2012 DA14. L'astéroïde de 45 mètres de diamètre et d'une masse de 135 000 tonnes va frôler notre planète le 15 février prochain. Il a la taille de la moitié d'un terrain de football. C'est l'objet le plus gros passant aussi près de la Terre jamais anticipé d'après la NASA. L'agence spatiale américaine assure qu'il n'y a aucun risque de collision. Son passage le 15 février ne doit pas être une source d'inquiétude, souligne le chef du programme Objet près de la Terre de la NASA. Son orbite est très bien connue, nous savons exactement où il va aller et il ne peut pas frapper la Terre. 2012 DA14 passera au plus près à 27 700 km à l'est de l'océan Indien, à la verticale des côtes de Sumatra en Indonésie. Il croisera aussi à moins de 7 500 km des orbites de certains satellites mais sans les menacer. Si un objet comme le 2012 DA14 devait s'écraser un jour sur la Terre, le choc équivaudrait à une bombe de 2,4 mégatonnes. Il produirait des dommages comparables à ceux provoqués par l'astéroïde tombé en Sibérie centrale en 1908. Il avait détruit la forêt sur un rayon de 20 km.